La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ notre Sauveur et notre Frère. Amen. Si nous commençons tous nos cultes par une parole de bénédiction et que nous les terminons par une parole de bénédiction, ce n'est pas juste une manie de liturge un peu tatillon, c'est une manière de dire que la parole de Dieu nous précède toujours. Et que la parole de Dieu nous accompagne sur tous nos chemins, où que nous allions, ou que parfois nous nous perdions. Et c'est dans cet espace de bénédiction que nos paroles humaines peuvent prendre place. C'est dans cet espace de bénédiction que nous pouvons nous sentir accueillis tels que nous sommes et accueillir les autres tels qu'ils et elles sont. Soyez donc chacun, chacune, les bienvenus pour ce moment de culte que nous allons partager, dans cet espace de bénédiction qui nous est offert pour nous mettre à l'écoute d'une parole qui nous précède et qui nous accompagne. Je vous invite à la prière. Éternel, nous voici rassemblés devant toi. Nous sommes venus ce matin dans le froid, depuis nos lieux de vie. Nous avons amené avec nous nos soucis, nos préoccupations, nos joies, nos espérances. C'est avec tout cela que nous venons nous remettre entre tes mains. Accueille-nous, recueille-nous, sois au milieu de nous et de notre assemblée. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre premier chant, le numéro 7. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique, les strophes 1, 2, 3 et 6. Nous poursuivons notre louange avec les mots d'Augustin d'Hippone.
Je t'aime, Seigneur. Ma conscience me le dit avec certitude. Tu as frappé mon cœur de ta parole et je t'ai aimé. Le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent me crient de toutes parts de t'aimer et ne cessent de le crier à tous les humains afin qu'ils soient inexcusables. Mais tu parles plus haut encore que le ciel et la terre. Tu prends en pitié celui que tu prends en pitié. Tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde. Autrement, le ciel et la terre ne raconteraient tes louanges qu'à des sourds. Qu'est-ce donc que j'aime en t'aimant, Éternel ? Ce n'est pas la splendeur du corps, la beauté temporelle, ni l'éclat de la lumière si chère aux yeux charnels, ni les douces mélodies des cantiques, ni l'odeur exquise des fleurs, des parfums et des aromates, ni la manne, ni le miel, ni rien enfin de ce qui peut plaire aux caresses de la chair. Non, ce n'est pas cela que j'aime en toi, mon Dieu. J'aime une certaine lumière, une certaine voix, une certaine odeur, une certaine nourriture, et enfin certains embrassements. Car tu es la lumière, la voix, l'odeur, la nourriture, la volupté de l'homme intérieur. En toi, mon âme trouve un éclat que rien ne peut contenir, une voix que le temps n'emporte pas, une odeur que le vent ne saurait dissiper, une saveur que la faim ne diminue pas, une possession dont la satiété ne me dégoûte pas. Oui, voilà ce que j'aime en t'aimant, mon Dieu. Et c'est dans l'élan de cet amour qui nous porte vers Dieu, dans la confiance de son amour qui nous est déjà donné, que nous pouvons nous déposer entre ses mains, lui dire nos fragilités, nos vulnérabilités. Et nous le faisons avec les mots du psaume 130. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Je suis enfoui sous les soucis, les peurs, les angoisses, sous les erreurs et la culpabilité. Je suis si lasse parfois, lasse de la douleur, lasse de voir revenir sans cesse les mêmes erreurs, de rester dans les mêmes ornières. Mon cœur et mon esprit me condamnent. D'autres autour de moi me jugent insuffisante ou fautive. Près de toi, Éternel, se trouve le pardon, la grâce, pour que l'on puisse toujours se tourner vers toi. Alors je me tourne vers toi, Éternel, sois auprès de moi. Tu ne retiens pas les fautes, Éternel, tu les couvres de ton amour. J'espère en l'Éternel de toute mon âme. Je l'espère, j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près de l'Éternel est l'amour, près de l'Éternel est le salut. Il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Amen. Et je vous invite à chanter le chant qui se trouve sur les feuillets, un chant de Thésée, « La ténèbre n'est point ténèbre », que nous chanterons 4 fois. Thank you.
et nous restons debout pour recevoir la parole de grâce, parole qui nous relève. À la croix, l'amour a étendu les bras. À Pâques, la mort a baissé les bras. Toute existence se reçoit de cette offrande où la mort est abolie par amour. Si vous avez faim de pardon, Dieu vous le donne en abondance. Si vous avez besoin d'un chemin, voici celui sur lequel il vous appelle. Demeurez dans mon amour. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Amen. Et nous chantons le numéro 15 dans le psaume et cantique, les strophes 1 et 2. Écritures, nous prions afin que Dieu nous assiste de sa présence dans notre lecture et notre méditation. Dans nos vies parfois durcies par la souffrance et l'injustice, dans nos cœurs labourés par les blessures et les chagrins, que ta parole germe et soit féconde. Dans nos vies encombrées de trop de cailloux lourds à porter, dans nos cœurs parfois troublés par la peur ou les soucis, que ta parole se fraye en chemin et prenne racine. Dans nos vies où trop de voix plus fortes étouffent ta voix, dans nos cœurs parfois fragiles et hésitants, que ta parole se déploie et grandisse. Dans nos vies toujours riches de promesses et de dons, dans nos cœurs qui ne demandent qu'à aimer et être aimés. Que ta parole rayonne et porte fruit pour une moisson de bonheur et de joie. Amen. Ils arrivent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui criait de plus belle : Fils de David, aie pitié de moi.
Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». On appelle l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Rejetant son manteau, il se leva d'embon et vint vers Jésus. S'adressant à lui, Jésus dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Rabouni, que je retrouve la vue ». Jésus dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Aussitôt, il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Voilà un récit tout simple, très bien construit. Marc n'est pourtant pas friand d'esbroufes littéraires. C'est le plus bref des évangélistes. Et son mot préféré, c'est le mot « eousous », aussitôt, qui rythme tout l'évangile et qui lui donne un caractère d'urgence. Mais ici, il fait comme une pause, un temps suspendu. Il n'y a qu'un seul aussitôt dans le récit, ce qui est plutôt peu pour Marc. Et il prend le temps de certains détails. Par exemple, il nous donne le nom de la personne guérie, la personne qui a rencontré Jésus ce jour-là, Bartimée. En araméen, on pense que ça voulait dire « fils de l'impureté ». Tout un destin. Dans la compréhension de la maladie et de l'infirmité de l'époque, une telle situation, c'est soit le fait d'une punition divine, soit le fait d'une puissance mauvaise, plus forte que la puissance divine. Et en tout cas, ça vous exclut de toute vie active, de toute vie sociale et de toute vie religieuse. Dans le cas de Bartimée, il ne peut pas travailler, il n'a pas de famille, il est dépendant des autres pour tous ses déplacements et il ne peut pas accomplir toutes les prescriptions de la loi. Il est impur, réduit à la mendicité. Mais le nom de Bartimée veut dire encore autre chose. Dans le grec, la langue des évangiles, Timée, c'est le respect, l'honneur. Donc ça veut dire aussi fils de l'honneur, fils du respect. Et notre récit déploie le chemin de Bartimée du fils de l'impureté au fils du respect, de la position de mendiant, aveugle, à celle de disciple de Jésus qui bondit sur le chemin. Ce parcours nous concerne tous et toutes, bien sûr, quelle que soit notre acuité visuelle. Le but de ceux qui ont rédigé les évangiles n'est pas de nous informer de manière scientifique sur ce qui s'est passé, mais de nous mettre face à la question de savoir qui est Jésus pour nous, quelle place nous voulons lui donner dans nos vies, pour que nos vies soient transportées, transformées par la puissance de résurrection qu'est le Christ. Alors, pour que le chemin de Bartimée devienne un peu le nôtre, regardons d'un peu plus près. Au début du récit, Bartimée est sur le bord du chemin. Il mendie de quoi vivre. Il mendie le droit de vivre, prostré, caché dans son manteau de mendiant. Il écoute passer la vie autour de lui, séparé des autres par sa cécité et par son statut. Devant lui, l'avenir s'annonce semblable à son présent. Une file ininterrompue de jours, pétrie de misère et de douleurs.
Peut-être avez-vous connu déjà de ces jours où vous ne pouvez que sentir la vie passer pour les autres, loin de vous. De ces jours où tout semble bouché, sans espoir. Et où il semble que chaque jour nouveau n'apportera que du même, que de la souffrance, que de la grisaille, que de la tristesse en plus. Et ce jour-là, pour Bartimée, quelque chose d'autre se produit, quelque chose qui sort du schéma attendu. Lui, Bartimée, se trouve à la même place que d'habitude, il n'a rien changé. Mais quelque chose, ou plutôt quelqu'un, passe tout près. La promesse qui nous est faite en Christ, c'est que la vie s'approche de nous, qu'elle passe à portée de main, qu'elle vient à notre rencontre alors même que nous ne la cherchons pas ou que nous ne la cherchons plus. Pour Bartimée, ça se manifeste d'abord par un brouhaha qui signale une foule assez nombreuse, puis une rumeur. Celui qui passe, c'est Jésus de Nazareth, un homme empli de puissance, peut-être le futur roi d'Israël, celui qu'on attendait. Alors quelque chose frémit à l'intérieur de Bartimée. Dans son cœur, ce qui pour les Juifs est le siège de la volonté, dans ses entrailles, le siège de l'affectivité, et dans son esprit, siège de la vie intellectuelle et spirituelle. Ce qui frémit en Bartimée, que peut-être vous avez déjà senti frémir en vous, c'est le désir d'autre chose, d'une autre vie, d'une autre place. Un désir de vie, tout simplement, une vie reçue d'un autre qui donne une vraie place, qui donne une vraie liberté, une vraie dignité. Et ce désir qui frémit en Bartimée bouscule la résignation derrière laquelle il se cachait habituellement. Et il se manifeste par un cri. « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Ce n'est pas un discours élaboré, c'est même pas de la belle théologie. « Fils de David », c'est une désignation qui insiste sur la royauté terrestre de Jésus. Bartimée fait ici le même malentendu que les foules qui accueillent Jésus le jour des rameaux. Il voit en lui un futur roi terrestre. Ce n'est pas le type de Messie que Jésus est, mais peu importe. Bartimée n'est pas prêtre, pas disciple, pas théologien. Il est comme chacun de nous, un mendiant de la vie, un humain, avec son histoire, tout en ombre et en lumière. Et il ne peut que crier pour attirer l'attention de Jésus. Alors il crie, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» On ne sait pas très bien ce que ce cri espère, peut-être une aide matérielle, mais peut-être surtout et d'abord un regard qui reconnaisse le caractère pitoyable de son existence, qui voit vraiment sa douleur, sa tristesse, sa désespérance. Et ce cri, pour faible et imprécis qu'il soit encore, suscite la réprobation. Il dérange. Parce que quand Bartimée pousse ce cri, il sort du rôle qui est le sien dans le tableau de tous les jours. Normalement, il est celui qui souffre et qui tend la main, celui qu'on ne regarde pas, dont on ne veut pas regarder la souffrance, ça ferait trop mal, celui qu'on oublie dans un coin. Alors des mots, des gestes jaillissent qui veulent remettre Bartimée à la place qui est la sienne, étouffer ce jaillissement de vie. Peut-être que cela vous est arrivé à vous aussi, au sortir d'une période sombre, de vous sentir l'envie d'on ne sait quoi de précis, mais une envie, et que cette envie soit douchée par une parole ou un geste qui tente de mettre sous le boisseau cette petite flamme de vie. Ce mot ou ce geste viennent parfois de proches, parfois de moins proches, parfois d'une petite voix à l'intérieur de nous qui susurre « À quoi bon ?» ou bien « Tu ne vas pas y arriver, ce sera toujours pareil. » Alors parfois la source est ensablée, l'envie disparaît à nouveau et on retombe dans la prostration et la souffrance. Et parfois ça ne marche pas, au contraire. C'est comme si ça soufflait sur la flamme, comme si ça donnait de la force à la source.
et que ça réveillait une force qu'on croyait disparue. Le frémissement de vie se fait bouillonnement, et c'est ce qui se passe pour Bartimée. Au lieu de se taire, il crie plus fort, il crie encore. Et c'est à ce moment-là que Jésus intervient, à sa manière, déroutante, pas là où on l'attendait. Jésus ne va pas vers Bartimée, il s'adresse à celles et ceux qui ont dit ces mots, qui ont eu ces gestes. Appelez-le. Et par ces mots, il apaise le chaos qui était survenu et qui s'opposait à la vie. Il dompte les forces hostiles pour en faire des forces alliées. C'est comme s'il disait « Oui, je vois que vous avez le souci de préserver un ordre. Alors préservez le bon ordre, celui qui se met au service de la vie, pour la faire grandir, pour la protéger. » Jésus réoriente les forces présentes pour qu'elles soutiennent la vie. Alors celles et ceux qui repoussaient Bartimée vont vers lui et lui tendent la main. « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » Elles sont passées de l'hostilité à l'accueil. Ils ont intégré le message de Jésus et ils l'ont reformulé en deux ordres et un message. Confiance d'abord. N'aie pas peur, quelle que soit ta peur, celle de ne pas y arriver, celle de ne pas être à la hauteur, celle que tout ça n'en vaut pas la peine, celle du changement, ou celle qui n'a pas d'objet précis. N'aie pas peur, aie confiance. Cette confiance qui était un peu hésitante, une simple envie de faire confiance, une envie d'y croire, accroche-la à nous pour qu'elle se fortifie et qu'elle grandisse. Lève-toi ensuite. Bartimée est assis, prostré, enroulé sur lui-même, sur sa souffrance. Il s'efface de la surface de la terre. Il s'excuse d'être en vie. Il offre le moins de prise possible à la vie qui pourrait le faire souffrir. Avec ce « lève-toi », il est invité à se déplier, à se déployer, à se lever pour avancer. Il t'appelle, enfin. Et c'est nous qui sommes porteurs de ce message. Nous t'appelons. Nous mettons notre force au service de ta force. Cette vie que tu sens frémir en toi répond à l'appel de la vie plus grande encore qui passe. Il t'appelle. Bartimée avait besoin de cela. Crier, c'était déjà un début. Pour crier, c'est comme pour chanter. Il faut ouvrir la poitrine, le diaphragme pour que le souffle circule et que le son puisse porter loin. Et là, il est remis debout. Il y a encore plus d'ampleur. Et lui aussi reçoit et interprète l'appel qu'il a reçu. Il se lève, oui, et dans le même mouvement, il laisse tomber son manteau, celui qu'il est défini comme mendiant, celui qui est couleur de sable et de terre et qui l'efface presque de la surface de la terre. Et il ne se contente pas de se lever, il bondit, il court presque. Le miracle est là. Cet homme prostré, qui ne voyait que le noir de la misère passée, présente et à venir, bondit et court vers Jésus, vers autre chose, et non plus vers le fils de David, mais vers Jésus, Dieu sauve, Dieu est mon salut. Et à ce moment-là, il est déjà sauvé, il a laissé la vie jaillir en lui, elle a été vue, reconnue, entendue, mise en route. Il n'est plus l'aveugle mendiant qui fait partie des murs, il est l'homme debout, à qui l'on parle, réintégré dans la communauté, débarrassé de ses peurs et de ses étiquettes. Un homme en marche. Et c'est seulement là qu'a lieu la vraie rencontre avec Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, ou si vous étiez là, la semaine dernière, dans ce récit qui précède immédiatement le nôtre, où Jésus posait la même question à Jacques et Jean. Que voulez-vous que je fasse pour vous ? C'est que toujours Jésus suscite et écoute le désir. Si nécessaire, comme avec Jacques et Jean qui voulaient les places d'honneur, il interroge ce désir.
Si nécessaire, comme avec la foule hostile à Bartimée, il réoriente le désir. Mais toujours il part de là, ce désir de vie qui est en nous. C'est remis debout, accueilli par Jésus, que Bartimée peut aller plus loin que le cri qui réclamait d'être vu et reconnu, qu'il peut devenir un fils du respect et de l'honneur. Debout, en marche, sans entrave, il peut écouter plus clairement ce désir qui vibre à l'intérieur de lui et le mettre en mots. Je veux voir de nouveau. Je veux regarder la vie qui est là autour de moi, en moi, y participer, la faire grandir. Il a déjà commencé à le faire. Et il va continuer puisque le récit se termine avec le fait que Bartimée suit Jésus sur son chemin. Jésus ne mène pas à un point fixe, à un point d'arrivée. Il mène sur le chemin, en mouvement. Être sur le chemin que suit Jésus, c'est être sur le chemin de la vie, c'est être en vie. Et ce qui a sauvé Bartimée, ce qui l'a mis debout, c'est sa foi, nous dit le récit. Sa foi ou sa confiance, c'est le même mot. La confiance qu'il a eue, que ce qu'il sentait frémir en lui, que ce qu'il sentait passer à portée de main, venait de Dieu, venait de la source de toute vie et était bénédiction pour lui. C'est la promesse que nous est faite en Christ. Il y a en nous de la vie qui cherche à jaillir, même au plus noir de nos obscurités. Et Dieu encourage, suscite, alimente ce jaillissement. Il remet debout, il remet en marche joyeusement ce qui a besoin de l'être, pour que, comme Bartimée, nous devenions des êtres humains debout, en marche sur le chemin que suit Jésus. Amen.
Il vit, comme vous et moi, et dans un sens beaucoup plus vrai, il vit. Quelle démonstration des réalités invisibles! Les sens pourraient-ils s'en douter? L'avez-vous rencontré sur un chemin désert? Avez-vous surpris le bruit de ses pas dans votre chambre? A-t-il posé ses mains sur votre front brûlant? Au cimetière, le son de sa voix consolante s'est-il mêlé au gémissement du vent? Malgré tout, Jésus-Christ vit. Il est celui qui peut dire, étrangement et magnifiquement, « Je suis le vivant ». Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Caché à nos regards, il vit. Quand le ciel noir s'abat sur les naufragés, quand les explorateurs périssent de soif sous un ciel implacablement bleu, quand le ciel rose de l'aurore sourit aux guet-apens des assassins, quand le ciel reste obstinément sourd à la supplication des veuves et jette le voile doré de son immuable sérénité sur toutes les tombes, le ciel paraît vide. Mais il n'en est rien. Il vit. Jésus-Christ vit. Oui, tu vis et je te rencontrerai un jour. Tu vis et tu me vois. Que de fois je t'ai oublié. Que de fois j'ai négligé de marcher à la clarté de ton regard. Qu'importe ma gaucherie ou ma laideur, mes vêtements usés ou disgracieux, tu me vois. Tu m'as vu au berceau. Tu m'as vu à l'école. Tu m'as vu dans ma famille. Tu m'as vu quand j'ai tendu la main à mon ennemi ou quand je me suis agenouillée seule dans la forêt. Tu as vu ce que je ne vois pas moi-même, les sentiments cachés de mon âme et les ombres qui peuvent passer sur mon front durant mon sommeil. Tu as vu ce que j'ai voulu être. Tu vois ce que je voudrais être. Je sens ton regard sur moi et j'entends ta voix aimante. Oui, Jésus-Christ nous voit car il vit et nous le verrons car nous vivrons. Bien-aimé, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te remercions de nous avoir révélé le secret de la prière, où notre âme peut respirer l'air pur de sa patrie. Éternel, nous t'en prions, donne-nous le courage et la force, la fermeté et la persévérance de demander pour recevoir, de chercher pour trouver, de frapper pour qu'il nous soit ouvert. Apprends-nous à prier en esprit et en vérité. Apprends-nous à prier dans ton amour. Tu connais l'angoisse et le désordre intérieur qui ravagent notre cœur tant que nous ne t'avons pas cherché et trouvé. Toi qui nous cherches toi-même, fais-toi trouver, Éternel, car nous cherchons ta face, ô notre Dieu. Tu sais les tourments qui habitent celles et ceux qui nous sont confiés, ici et au loin. Tu en as soin avant que nous te le demandions. Donne-nous les gestes qui soulagent,
les mots qui apaisent, les silences qui libèrent les cœurs. Nous te remettons celles et ceux, ici et au loin, qui ont le soin et la responsabilité des plus fragiles. Sois en leur cœur la source de vie qui entretient la force de l'indignation, le courage d'aller de l'avant et l'espérance de voir des jours de justice et de paix. Et toutes nos prières, nous les rassemblons dans celle de nous qui fait de nous tes enfants, des frères et sœurs devant toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le 391, les trois strophes, et pendant ce chant sera recueillie votre offrande. Voici comment Paul rappelle à la communauté de Corinthe ce qu'il a reçu à propos du dernier repas pris par Jésus. Voici ce que moi j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même avec la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. »
le pain que nous rompons, et communion au corps de Jésus crucifié. Et la coupe de bénédiction, pour laquelle nous rendons grâce, et communion au Christ ressuscité. Éternel notre Dieu, préserve-nous d'oublier jamais que nous ne vivons pas seulement du pain qu'on gagne, ni même de celui qu'on partage, mais de la nourriture que tu nous dispenses. Rassasie-nous aujourd'hui du pain céleste. Donne-nous de comprendre comment être en communion avec toi en Christ. Toi qui nous as placés dans un monde où chaque génération doit gagner son pain à la sueur de son front, tu as sanctifié le travail humain par les labeurs de ton Fils notre Seigneur. Alors ouvre nos yeux, afin que dans ce pain et dans ce vin, nous trouvions plus que du pain et du vin, ta présence au cœur de nos vies. Amen. Ce sont nos mains qui ont préparé cette table, mais c'est le Seigneur lui-même qui vous y invite. Qui que vous soyez, quel que soit votre chemin, vous y êtes attendus, vous y êtes accueillis. Bien sûr, si vous préférez rester à votre place, c'est tout à fait possible. Pour celles et ceux qui le souhaitent, je vous invite à venir et comme nous ne sommes pas très nombreux, je vous propose qu'on forme un cercle ou un demi-cercle dans le cœur derrière moi pour être en communauté les uns avec les autres. Venez, car tout est prêt.
Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce repas que nous venons de partager. Nous qui étions arrivés chacun de chez nous, nous voici rassemblés en une communauté priante, célébrante, devant toi. Par ta présence, nous formons un corps, une église que tu as appelée et suscitée. Sois remercié, Éternel. Amen. J'ai juste quelques annonces à faire. Je prends mon anti-trou de mémoire pour ne rien oublier. Le prochain culte, la semaine prochaine, sera avec Bruno Gérard. Et il portera sur la rencontre entre Jésus et un scribe qui lui demande quel est le plus grand commandement. Un texte que sans doute vous connaissez bien. Vous le savez, ce sont les vacances scolaires, donc il n'y a cette semaine ni rencontre catéchétique, ni office du milieu du jour. Le prochain office du milieu du jour aura lieu le 4, sauf erreur, ou le 3, j'ai un doute sur la date, en jeudi en tout cas, avec Laurence Mottier. Et puis à la rentrée, pour les enfants, c'est le début de la saison 12 des Théopopettes, donc si vous avez des enfants dans votre entourage, n'hésitez pas à les inviter, ça commence le premier mercredi, puis après c'est à quinzaine. Et le premier samedi, le 6 novembre, nous aurons le deuxième office du soir à 18h avec la maîtrise du Conservatoire Populaire. Donc ça va être magnifique, n'hésitez pas à venir. Il y a des flyers à la sortie, vous pouvez les prendre et puis en distribuer autour de vous et noter la date dans vos agendas. Et vous avez eu dans vos psautiers en entrant l'annonce pour des ateliers de chant qui auront lieu les vendredis soirs à partir de la rentrée pour apprendre à chanter avec Serge Hild, que nous connaissons bien ici, qui a guidé un certain nombre de chants, qui a chanté quand nous n'avions pas le droit de chanter en communauté et qui se propose de chanter avec celles et ceux qui le voudront les chants qu'on chante au culte pour chanter un peu mieux, apprendre à déployer sa voix, à laisser le souffle circuler pour passer du cri au chant de louange, peut-être comme Bartimée. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié, à part un grand merci à vous qui êtes là, à Robin qui a installé la cathédrale, à Nayoung Kim qui nous a accompagnés ce matin avec de la magnifique musique, et puis à vous, les conseillers qui avez accueilli les gens et puis distribué la Sainte-Cène avec moi. Merci. Et je pose ça pour vous adresser de la part de Dieu, sa bénédiction, une bénédiction qui nous relève et qui nous met en chemin, qui nous donne la force de bondir au cœur de nos obscurités vers la vie. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel tourne son visage vers toi. Il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Va dans sa paix. Amen.